Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Ortho & Co. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un pavage d'images à l'aide du logiciel Inkscape. Pour cela, donc, il s'agit d'ouvrir le logiciel avec un nouveau document en format A4 comme celui-ci et on va insérer l'image que l'on souhaite cloner. Moi, j'utilise la banque de données d'images Arasac. Donc, par exemple, ici, on va avoir... j'ai fait une recherche sur le mot montre. Donc on va prendre une montre ici, on va la glisser, déposer dans Inkscape et on va incorporer l'image. Voilà, je valide. Donc là, elle est beaucoup trop grande pour ce que je souhaite en faire. On va modifier sa taille. On va aller en haut là sur la longueur et largeur, vérifier que le petit cadenas est bien coché et que vous êtes bien là en centimètres. Moi, je prends par exemple 3 cm pour mon image. Donc mes 3, je valide avec la touche entrée. On va la mettre un peu là-haut. Je vais lui faire une petite bordure autour avec l'outil créer des rectangles et des carrés. Voilà, je vais créer mon cadre. Si vous souhaitez modifier les paramètres de ce cadre, vous pouvez aller en bas à gauche là, sur remplissage et contour. Faites un double clic. Et pour le style du contour, vous pouvez changer la taille. Bon, par exemple, 5 pixels pour avoir quelque chose de beaucoup plus gros. Pour moi, 1 pixel, ça suffit. Vous pouvez aussi mettre un fond de couleur, donc voilà, peu importe, vert, ici c'est pas trop d'intérêt pour ce que je veux en faire. Voilà, donc ensuite on va prendre l'outil de sélection, j'ai deux objets ici, mon contour et mon image, donc je vais les sélectionner ensemble, et je vais aller dans objet groupé, pour que ça ne soit plus qu'un seul élément. Maintenant cet élément unique, je vais pouvoir le cloner, on va aller dans édition, cloner, créer un pavage avec des clones. Donc c'est une translation que je veux faire, je voudrais 8 lignes et 5 colonnes. Dans l'onglet translation, je vous montre un autre paramètre, on va pouvoir choisir, là j'ai mis 10% pour chaque colonne en translation et 10% dans chaque ligne. Donc là ça va nous permettre de décaler les images pour qu'elles ne soient pas complètement collées. Si vous préférez des images complètement collées, mettez 0% dans ces deux cases. Voilà, on clique sur créer et il nous a créé un beau pavage. Voilà, donc on peut, si j'appuie sur CTRL et que j'utilise la molette, on va pouvoir dézoomer, je vais pouvoir sélectionner l'ensemble des éléments et décaler un peu pour que ce soit centré dans ma page, et voilà, j'ai plus qu'à les imprimer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, et je vous dis à très bientôt sur Ortho & Co.